بقت جهولة. Ajoute des repos sont les... Les députés à pouvoir inscrire leurs enfants, les enfants même, ils n'arrivent pas à se prendre en charge, les orphelins, voyez, c'est pour cette raison qu'il est là, pour non seulement échanger avec les enfants, communier avec les enfants, embrasser les enfants, n'est-ce pas, en leur donnant l'espoir d'aller à l'école, l'espoir de vivre mieux. C'est pour cette raison que son orphelinat s'appelle Espoir de vie. Est-ce qu'on peut applaudir? C'est ce que Dieu même a dit. C'est que le prophète vient de faire. L'acte qui vient de faire, c'est ce que Dieu a fait. Mais c'est selon les moyens que d'autres n'arrivent pas à faire. Vraiment, ils sont tellement contents. Tout ce qu'il a dit, il est venu pour l'amour des enfants, connaître leurs parents, leurs problèmes. Il y a des veuves dedans qui n'arrivent même pas à en faire à manger même leurs enfants. Donc, il va causer avec les parents. Vraiment, ça fait, ça les fait droit au cœur de ce qu'il vient de faire comme acte. Vraiment, ils ne savent même pas ce qu'il faut dire. Parce que c'est ce que le prophète vient de faire. Ça a tellement dépassé les gens. Les gens, il y a d'autres même qui ne croyaient même pas. Qu'est-ce que vraiment il va venir? On dit ça, non, après on ne voit pas ces gens-là. Je dis, mais c'est pas la même chose. C'est qu'il n'est pas comme nous. Comme nous, là, on se connaît. Eux là, quand ils disent parole là, ça ne se loue pas. Donc vraiment pour cela, la manière. Tu as été déplacé pour venir nous rendre visite ici et prendre la charge des enfants. Vraiment, que Dieu fasse que tu gagnes une longue vie, la santé et beaucoup d'argent pour que tu puisses supporter tous les enfants que tu as pris les charges et les parents. Vraiment, c'est ce que le monde veut nous faire. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'abord, m'excuser par rapport à hier. C'était par rapport à la pluie. C'était vraiment quelque chose de très important. Donc tu traduis en même temps, Samy. C'était quelque chose de très important. C'était vraiment important que je n'ai pas voulu que la pluie perturbe. Sangi kake vraiment au masse ka banjona bo yana abena foko ka abena na ola la suku la donc le kabe ya fama dan ke la beta e ya pa ala na kira kama voilà donc Dieu a permis que je sois là ala le kit la ko bita e ke sok mada yero ni anana ola la ma père prophète Joël Crasso ou ba ore prophète Joël Crasso je ne suis pas venu pour parler d'église comme na aya ala bon kwana non je suis venu pour apporter une assistance. Parce que quand tu vas à l'hôpital, l'infirmier qui te pique là, si les chrétiens, il va te piquer. Les musulmans, il va te piquer. Donc à l'hôpital, il n'y a pas fait de religion. L'aide là, ce n'est pas une question de religion. Voilà, faut qu'on comprenne ça. Aider quelqu'un, c'est aider, faire l'œuvre de Dieu. Puis Dieu est pour tout le monde. À commencer même par les enfants. J'ai une ONG qu'on vient de mettre en place. Et
Notre ONG consiste à aider les enfants. Leur éducation. Leur éducation. Ça, c'est obligatoire. Parce que l'enfant, c'est l'avenir de demain. Si vous n'êtes pas bien éduqué, ils seront les microbes de demain. Ils vont agresser les gens demain. Ils vont les tuer demain. S'ils sont bien éduqués, ils deviennent importants pour la Divo, la Côte d'Ivoire et le monde. Donc, investir à un enfant, c'est de faire développer la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas aussi politicien. Je n'ai pas des intentions politiques, non, ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai compris que l'homme, si tu es, croyant, il faut aider l'être humain. Ça, j'ai compris. Si tu es croyant que tu n'es pas l'autre humain, tu n'as pas connu Dieu. Voilà, c'est ce que j'ai compris et c'est ce qui fait que je fais le geste. Aucun policier ne m'a envoyé vers vous. Personne. Voilà. Donc, je ne suis pas dans la politique. Ça ne m'intéresse pas. Mais je suis à Divo. J'ai commencé une, deux. Je suis à ma troisième édition. C'est donc là. C'est la troisième fois. La troisième fois, je voulais associer tout le monde. Je travaille à Zaroko, à Irevé, Iré à Zaroko. J'ai donné la première, deuxième, troisième édition. Et donc j'ai compris que je suis même à Divo ici. Il fallait vraiment étendre, élargir. Ça fait la troisième fois. Chaque année, je fais, chaque année. Ça fait la troisième année que je fais ça. Et quand on parle de l'école, à l'école primaire, c'est tout le monde. Il y a les chrétiens là-bas, il y a les musulmans. Donc, quand je fais les dons à une école, je ne fais pas ça pour les chrétiens. Donc, là, L'enfant n'a pas décidé de venir au monde, il est venu au monde. Ce n'est pas lui qui décide. Souvent, il vient dans les conditions difficiles. Mais souvent, il vient où après les parents n'ont plus le moyen. Il est difficile pour l'enfant d'aller à l'école, pourtant il a envie. Or, quand tu n'es pas un enfant, c'est dangereux. C'est fabriqué. Donc, nous, on a décidé cette année d'élargir un peu. À part Zaroko, de toucher un peu Divo. Mais est Divo un quartier précaire tel que le dialogue comme ça? Il y a les difficultés ici. C'est ça qui nous intéresse. Aider non seulement ça les enfants. Et puis. Les enfants et nos mamans, nos parents, vous rencontrez de temps en temps et vous voyez les difficultés des enfants. Parce que les gens aujourd'hui parlent, les enfants sont bandits, mais parce qu'ils n'ont pas eu d'éducation. Voilà, donc ce n'est aucune intention pour les gens. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question d'aider les gens. Voilà, donc notre intention c'est quoi? C'est-à-dire, si on a pris un enfant en charge, si on a décidé d'aider quelqu'un aujourd'hui, on va essayer de savoir de quoi il souffre. Est-ce qu'il est malade? Si oui, il y a une prise en charge. Si dans 10 ans je veux aider quelqu'un, il faut que je sois convaincu qu'il est en bonne santé. Sinon je vais investir s'il meurt demain. Parce que le problème de santé peut faire que l'enfant veut mourir. Or, si on met l'argent à sa disposition, il peut guérir. Et puis, on est convaincu qu'on a fait un bon investissement. Donc, on a demandé aux gens de faire un travail. Elle et puis Armand, donc, on vient justement pour concrétiser certaines choses. Leur donner, puisque c'est la rentrée. La rentrée scolaire. Et j'ai demandé, j'ai dit, je veux aussi que les imams, les trucs, pour dire que nous, on n'est pas contre la religion musulmane. Bien que je sois chrétien, non, je ne suis pas contre la religion musulmane. Tout compte fait, Dieu, il est unique.
L'éducation, ça n'a rien à voir avec musulman et chrétien. Non, allez, t'as pas quoi, on peut pas aller chrétien et aller ma côté sur la main ou la non. Ni même moi demain, il y a demain. Quand on a si à plaît, quand on a faux ici, les plaît. Nous ne regardons pas la religion pour apporter de l'aide. Quand on fait un plaît là, il est celle-là, il est celle-là, il est celle-là. On va être content, il faut demain les drones. Parce qu'à côté, quand elle a demain les plaît. Nous allons prendre les orphelins comme. J'ouvre bientôt mon orphelinat. Nous allons prendre les enfants en compte. Orphelins du Père, mais les orphelins. Nous allons les prendre en charge. Jusqu'à ce qu'ils grandissent, jusqu'à ce qu'ils se prennent en charge. Okay. Mais en même temps, pas seulement les orphelins, mais les enfants qui sont démunis, qui n'ont rien, dont les parents n'ont rien. Les aider aussi, les encourager à aller à l'école, qu'ils soient des bêtards, qu'ils puissent vous aider. Voilà, pour éviter d'avoir des enfants délinquants dans la rue. C'est pas seulement que les politiques doivent faire ça. Nous, les hommes religieux, nous devons le faire. Parce que l'homme, c'est pas seulement spirituel. L'homme aussi a des besoins physiques. Nous les hommes de Dieu sommes en contact avec les âmes des hommes, donc nous connaissons plus leurs problèmes. Donc c'est le but de notre rencontre ici, visite. Comme ça, ensemble, Dieu va nous aider à atteindre nos objectifs. Nous aidera pour éviter que les enfants délinquants dans la rue. N'est pas qu'il y ait des enfants bandits, délinquants, il faut les aider maintenant. Il faut les aider maintenant. Voilà, donc voici ça. Donc je recommence, je récapitule. Je ne suis pas là pour les ambitions politiques, ça ne m'intéresse pas là. L'éducation, ça n'a rien à voir avec musulmans et chrétiens. Non, l'État, on peut pas aller chrétien et aller par côté sur la main ou la non. Il y a un droit demain, il y a demain. Quand on a si à plaît, quand on a faux ici, les plaies. Nous ne regardons pas la religion. Ouais, pas porter de nous allons prendre les orphelins en compte. J'ouvre bientôt mon orphelinat. Nous allons prendre les enfants en compte. Orphelins du Père, mais les orphelins. Nous allons les prendre en charge. Jusqu'à ce qu'ils grandissent, jusqu'à ce qu'ils se prennent en charge. Okay. Mais en même temps, pas seulement les orphelins. Mais les enfants qui sont démunis, qui n'ont rien, dont les parents n'ont rien. Les aider aussi, les encourager à aller à l'école, qu'ils soient des bêtards, qu'ils puissent vous aider. Voilà, pour éviter d'avoir des enfants délinquants dans la rue. C'est pas seulement que les politiques doivent faire ça. Nous, les hommes religieux, nous devons le faire. Parce que l'homme, c'est pas seulement spirituel. L'homme aussi a des besoins physiques. C'est nous, les hommes de Dieu, qui sommes en contact avec les âmes des hommes. Donc, nous connaissons plus leurs problèmes. Donc, c'est le but de notre rencontre ici. Comme ça, ensemble, Dieu va nous aider à atteindre nos objectifs. Nous aidera pour éviter que les enfants délinquants dans la rue. On n'est pas qu'il y ait des enfants bandits, délinquants. Il faut les aider maintenant. Il faut les aider maintenant. Voilà, donc voici ça. Donc je recommence, je récapitule. Je ne suis pas là pour les ambitions politiques. Ça ne m'intéresse pas la politique. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, moi je ne suis pas des hommes. C'est là justement pour soutenir les malheureux. Quand on aime Dieu, on soutient les malheureux. C'était les malheureux. C'est pour ça qu'on a visé dialogue. On n'a pas cherché d'autres quartiers. C'est dialogue. D'ici jusqu'à janvier, mon orphelinat sera ouvert. Il y a une chambre avec un bon droit d'air. Alors, commençons à finir.
En janvier, on va récupérer les enfants, mais ceux qui vont déjà à l'école, on va commencer à les mettre. Voilà, voici un peu le but de notre arrivée ici. Et que Dieu nous bénisse nous tous. Et que nos enfants deviennent les meilleurs demain. Tout se prépare. Qui tu veux devenir avoir un enfant grand, c'est maintenant. La seule chose que je prends, c'est la mort. C'est la mort que je prends. Sinon, quand tu vas semer le maïs, c'est maïs qui va récolter. C'est comme ça. Si tu n'as pas donné éducation à ton enfant, tu seras bandit. Pour ce qui te sème, c'est ce que tu récoltes. Or, nous ne voulons pas que nos enfants qui sont innocents deviennent des bandits, des délinquants. Il faut maintenant les soutenir. Je ne dis pas que j'ai tout l'argent du monde, non. J'ai l'amour des enfants. Et qu'on est amour, on partage. Voilà. On partage. On n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup. Quand tu aimes, tu partages. Voilà, donc c'est un peu. Et puis vous encouragez les parents à motiver vos enfants à venir à l'école. On va travailler dans ce sens-là. Parce que c'est l'entrée scolaire. Ils vont avoir examen, tout ça, ils vont avoir vacances. Et quand on dit vacances, ils vont avoir rentrée scolaire. Donc on va vous interpeller pour dire qu'est-ce que vous faites pour les enfants quand c'est la rentrée. Et puis on vous viendra en appui. Et puis on va vous demander d'aller inscrire des enfants, de leur encourager parce que rien ne s'improvise. Ah, c'est la rentrée, mais la rentrée ça passe du prix. Quand tu manges 5 francs, tu as 10 francs, tu manges 5 francs, tu dois garder 5 francs pour l'enfant à la rentrée. C'est maintenant ça se prépare. Il faut qu'on vous mette ça dans la tête aussi. Voilà. Nous, on oublie l'avenir des enfants. Or, ce n'est pas bon. On dit ça va venir, mais c'est quand ça va venir. Quand tu gardes, tu penses. Or, si tu penses pour vos enfants, Dieu te donnera les moyens pour les supporter. Voilà, donc voici un peu. C'est un travail qui sera suivi. Cela justement pour soutenir les malheureux. Quand on aime Dieu, on soutient les malheureux. C'est ce qu'on a visé, dialogue. On n'a pas cherché d'autres quartiers, c'est dialogue. Voilà. D'ici jusqu'en janvier, mon orphelinat sera ouvert. Oui, il y a une janvier, c'est le Vatican. En janvier, on va récupérer les enfants, mais ceux qui vont déjà à l'école, on va commencer à les aider. Voilà, voici un peu le but de notre arrivée ici. Et que Dieu nous bénisse nous tous. Et que nos enfants deviennent les meilleurs demain. Tout se prépare. Hein, qui tu veux devenir avoir un enfant grand, c'est maintenant. La seule chose qui surprend, c'est la mort. C'est la mort qui surprend. Sinon, quand tu vas semer le maïs, c'est maïs qui va récolter. C'est comme ça. Si tu n'as pas donné éducation à ton enfant, tu seras bandit.
avec un fenoreille. Ce qui tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Ah, il va miséré. Or, nous ne voulons pas que nos enfants qui sont innocents deviennent des bandits, des délinquants. Il faut maintenant les soutenir. Non, en tête, il y a deux mouvements. Je ne dis pas que j'ai tout l'argent du monde, non. J'ai l'amour des enfants. Quand on est amour, on partage. On n'est pas forcément besoin d'avoir beaucoup. Quand tu aimes, tu partages. Voilà, donc c'est un peu... Et que vous encouragez les parents à motiver vos enfants à venir à l'école. On va travailler dans ce sens-là. Parce que c'est l'entrée scolaire. Ils vont faire un examen, tout ça, ils vont à vacances. Et quand on dit vacances, c'est l'entrée scolaire. Donc on va vous interpeller pour dire qu'est-ce que vous faites pour les enfants quand c'est la rentrée. Et quand on viendra en appui, et puis on va vous demander d'aller inscrire des enfants, de leur pour encourager parce que rien ne s'improvise. Mais il y a ni sangré, avec la toque qui m'inga, ni septième qui vient trop sur l'école là, avec mon engagement là. Ah, c'est la rentrée, mais la rentrée ça n'a pas surpris. Quand tu manges 5 francs, tu as 10 francs, tu manges 5 francs, tu dois garder 5 francs pour l'enfant à la rentrée. C'est maintenant ça se prépare. Il faut qu'on vous mette ça dans la tête aussi. Voilà. Nous, on oublie. On mange, on oublie l'avenir des enfants. On dit ça va venir, mais c'est quand ça va venir? Quand tu gagnes, tu penses. Or, si tu penses pour vos enfants, Dieu te donnera les moyens pour les supporter. Voilà, donc voici un peu. C'est un travail qui sera suivi. Si tu veux, donne-moi, je vais prendre photo. Ce que nous sommes en train de faire, il y aura un suivi. C'est pas seulement les, on n'a pas besoin, c'est pas les imams on a besoin. Cette fille-là, en Noël, le 24, on va revenir ici avec l'imam. On va organiser, faire les cadeaux de Noël. Et puis je dois savoir, premier trimestre là, son résultat, qu'est-ce qu'elle a fait? Je reviens en décembre pour voir celle-là que j'ai donnée là. Noël là. Cadeau de Noël 24. Et puis, qu'est-ce qu'il n'a pas fait qu'il n'a pas les mois? Et à partir de ça, maintenant, chaque trois mois, on va organiser. S'il y a un problème de santé, on apporte les parents, on va les soigner. Voilà, c'est ça. Bon, vous allez. T'as dit dans ça que non, tout parti, tout sorti ici. C'est la même chose. Il t'en voulait la tête. Il t'en voulait la tête.
Voilà l'école. Il faut aimer l'école, et puis il faut nous faire plaisir. D'accord ? Voilà. Il faut être le meilleur demain. D'accord ? Ah, c'est un bon guerrier. Ça va ? Comment t'appelles ? Comment tu t'appelles ? Tu vois ce qu'il y a dedans ? Voilà l'école, c'est pour toi. Il faut devenir grand. Il faut respecter papa et maman. Il faut devenir meilleur. T'as compris? Alors, c'était bon, non? Donc, tout ce dont on aura besoin de en fin d'année, matin, 24 matin, on va organiser un cadeau de Noël pour donner aux enfants des cadeaux. Ça c'est pour toi. Quand la bise est venue, t'as monné, t'as regardé. Quoi qu'il a raté, mais vous l'avez fait. Ah, il faut aller faire mariage. L'école d'abord. Tu vas faire ça. Tu vas faire ça. Ah non, la tête là. Il faut aimer l'école. Il faut aller à l'école, on va vous aider. Est-ce que voilà l'école, hein. Il veut que tu sois de même rang. Que tu aies l'intelligence, que tu respectes les parents. Voilà. À défaut des cartables, on a mis ça dans le truc. Il y a des signes là, il y a des signes là, dégueulasse. Voilà l'école. T'as compris? Tiens, tiens, tiens. Alors, les voici, bon, les voici. Voilà, donc, il y en a ici. Nous avons assez, tout le monde aura l'occasion d'avoir ça. Voilà, donc, on va confier ça au comité d'organisation. Comme moi, le temps. Je dois rentrer. Donc voici un peu l'idée. Je vous ai déjà dit, tous les enfants qui sont sur une liste, on va commencer à les suivre. Le 24 prochain décembre, il y aura encore une manifestation à caractère joué. Et en même temps, on voit un peu l'évolution des enfants psychologiques, leur évolution. C'est important et nous allons les suivre. Les enfants,